Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de Tombi. Ah, j'étais arrivé là. Évidemment, je me souviens plus de ce qui s'est passé. Donc, ah oui, l'ombrelle, c'est vrai. L'ombrelle, non, je ne chanterai pas la chanson de je ne sais pas qui. Je ne la chanterai pas. Wow, oh là, il s'est passé un truc, là, j'ai pas tout compris. Enfin, c'est pas grave. Et bon, on va éviter de se faire... Non ! On se l'est quand même fait. Donc bon, on refait pause. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais tout simplement parce que j'avais envie, en fait. Voilà, donc... Hop, on se fait cochon. On se fait cochon ! Allez ! Il faut un peu de chance aussi par moment, mais qu'est-ce que j'ai fait moi, n'importe quoi. Attendez, ombrelle, c'est le truc devant, oui. Comment on arrive au truc devant déjà? Ah oui, me souviens, ou presque. Attention, cochon qui arrive juste derrière, voilà. Bon, en fait, j'aurais fait une charge state, ça aurait été beaucoup plus vite finalement. Mais c'est pas grave, bon, au moins, ça permet de se remettre un peu en jambes, parce que bon, c'est assez... La maniabilité reste quand même... Ouais, elle est bonne, hein. Pour un jeu comme ça, j'avoue qu'elle est quand même super intéressante. Mais bon, je ne suis pas non plus totalement convaincu. Bon, j'accélère quand même, parce que c'est un peu long. Voilà. Bon, l'ombrelle, c'est pour le truc devant, il me semble, forcément. Attention. On commence pas la game maintenant. Je sais que tu m'as planté hier, mais c'est pas une raison. Ah, bah, l'araignée, Burk. Tout simplement, Burk. C'est tout ce qui me vient à l'esprit. Je devais vous dire quelque chose, oui. Parce que, bon, faut quand même penser à la suite, etc, etc. Et, voilà, bon. Il va y avoir, forcément, des nouveaux let's play. Et je tenterai aussi des choses nouvelles que vous n'avez pas forcément... connu dans le sens de jeux un peu plus récents. Voilà. C'est un peu la petite nouveauté qui est arrivée d'ici quelques temps. Mais bon, je ne vous en dis pas plus, hein. Je vous laisse le suspense. Le suspense. Le fameux suspense. Est-ce que je pouvais aller à droite? Oui! Nous faisons donc une save tête. Parce que c'est très intéressant, une save tête. Donc, est-ce que je peux utiliser mon ombrelle? Oui, je peux utiliser mon ombrelle. Non. Mais le sale bête. Et l'autre bip qui me bloque comme ça en plein milieu. Il me bloque. Et on n'est pas sur un grand prix, mon grand. Hein. T'as pas bloqué. Oh non. Oh non. Oh. Mon dieu, j'aurais peut-être pas dû finalement. J'aurais peut-être pas dû. C'est regarder ce qu'il nous fait du coup. Couillon. Coucou yon. Non. Bon bah. On me laisse pas forcément le choix là. Ah, attendez. Non. Mais je veux pas l'ombrelle finalement. Je ne veux point d'ombrelle. Point d'ombrelle, messire. Non, mais forcément. Bon. C'est que ça commence quand même très bien. Non, ne me mange pas. Ah zut, ça a failli là. Et évidemment, je me prends exactement la même truc. C'est frustrant. Et encore, j'ai envie de dire, c'est pire que frustrant même. Tiens, vas-y, bouge, dégage. Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je t'ai fait aujourd'hui? Il se passe de drôles de choses. Oh. Bon, je ne peux pas lui balancer comme ça, comme je le voulais. Attention, parce qu'il va sauter, forcément, boum. Voilà. Non. Tiens, dégage. Hop, voilà. Attention, parce que bon, faut également aussi être très... Ah, salut mon grand. Je ne peux pas partir ainsi, si quelqu'un me voit, ce serait très gênant. Ah oui, c'est vrai, son pantalon. Mais j'avais un pantalon, mais je l'ai perdu dans le vent. Il faut que tu me le retrouves. Ok. Ok.
Mais c'est bien parce que c'est toi, hein. Oh putain, c'est dangereux là. C'est certainement pas l'ombrelle, hein, le sac du cochon orange, c'est pas ça. Regarde, encore où j'aurais son pantalon, mais non. Y'a que les miens, le pantalon. Wouhou! Voilà, hop, on se met là. on dirait qu'il apprend à nager dans les airs, hein. C'est un peu spécial ce qu'il nous fait là. Il apprend à nager dans les airs, c'est un concept inventé par Tombé. Toi aussi, nage en plein vol. Apprends à nager en plein vol avec Tombé. C'est un concept de jeu intéressant ou pas. Mais bon. Attention à ne pas se faire, voilà. Tu ne mourras pas. Ah, salut toi. T'es toujours en train de creuser. Bon, retournons au travail. Ok, toujours en train de creuser apparemment, oui. En effet, il creuse toujours. Safe tate. Bon, parce que je suis sûr que le truc sert à quelque chose là. Ah oui, c'est vrai, mais le sourire aussi. Le sourire, enfin le sourire, ou le rire plutôt, voilà. Herbe curative reçue. Ah, les herbes pour machin, oui. Safe tête du coup, parce que c'est très important ce que je viens d'avoir là. Et oui, je viens de récupérer quelque chose d'assez intéressant. Et forcément. Bon bah vas-y, finalement, gobe-moi. Hein. Foula! Foula! Et finalement, vous voyez où j'arrive? Hein, juste ici, voilà. Et heureusement que je ne perds pas de points de vie, parce que sinon je l'aurais vraiment dans l'os. Hein, ouais. Et ben je l'ai dans l'os finalement. Finalement, je l'ai eu dans l'os. Ah non! Ah. J'avais cru entendre la tête de l'air de dire bravo, tu as gagné quelque chose, mais finalement non. Bon, ah oui, c'est vrai, je vais essayer d'avoir le smiley, hein. Le sourire, j'espère que je vais pouvoir rigoler dans pas longtemps. Voilà, donc maintenant on va du coup pouvoir partir, si je le veux bien. Je ne peux pas prendre la porte, ok. Bon, je fais une safe tête, je sais que je devrais pas, mais bon. Putain, et l'autre con qui se met juste au moment où... à l'endroit où je dois me sauter. Merde, mais c'est incroyable! Non! Voilà, il recommence. Oh, bon les mères. Ah, mais oui. Vas-y, mangez-moi. Voilà. Exo. Ouais! Oh putain, je suis content. Oh, je suis content! Non! Foula! Voilà, hop. Ah non, c'est pas là qu'il faut que j'aille en fait. Non, ouais, non, c'est pas là. Puisque il fallait que j'aille voir le petit bonhomme avec les herbes. Bon, je vais faire une safe tête là. C'est pas grave, hein, hop. De toute façon, on a largement le temps. Bon, le problème, c'est que ça accélère vraiment pas beaucoup, hein. Ça n'accélère pas beaucoup. Bon, par où que je dois aller, ouais. Hop, vas-y, grimpe. Voilà. Je grimpe le plus possible, le plus vite possible. C'est une course. Je sais pas contre qui encore, hein, mais c'est une course. Bon, le machin, je suis sûr qu'il y a... Je suis persuadé qu'il y a moyen de le casser, mais je sais pas avec quoi, le caillou, là. Il y a moyen de casser le caillou, mais je sais pas avec quoi. Hop, je vais pouvoir donner les herbes curatives au bonhomme. Les herbes curatives guérissent toutes sortes de blessures, elle est trop dangereuse. Oui, forcément, faut que je lui donne. Herbes curatives. Des herbes curatives, tu es allé sur le mont Phénix et tu en as trouvé. C'est un miracle que tu sois encore en vie. Les blessures de Baron vont guérir maintenant. Tout ce qu'il lui faut à présent, c'est manger et se reposer. En parlant de manger, rien ne vaut le goût du fruit de l'arbre du savoir. J'aimerais tellement manger une nouvelle fois de ce fruit. Forcément, le fruit du savoir exquis. Ok.
Bon, est-ce que j'ai autre chose que je pourrais donner à quelqu'un? C'est pas du fromage, c'est pas... Ah, est-ce que c'est une game cuite qu'elle avait perdu la madame, là? C'est pas ça, non. Et c'est pas non plus un télescope. Parce que je sais que c'est un truc comique, mais là où je me souviens plus. Entretiens le feu, bien, ok, c'est cool. Oh, le chou est blessé. Mais non, il est plus blessé, il n'est plus blessé. Il n'est plus blessé. Mais oh. Il n'a pas été remis à jour. Il va falloir que je fasse une mise à jour avec ce monsieur. Qui n'est pas au courant que le chou n'est plus blessé. Eh, mais en fait, j'ai 253 000 points de... d'expérience. Ce qui est tout à fait honorable. Mais allez! Ah bah... Ah non! Non! Ah! Chiotte! Diantre! Zou! Et je me casse avant de me faire choper par l'autre, là. L'autre saleté. Et ben voilà. Hop. Où est le rouge? Où est le rouge? Il y a même pas un petit machin rouge, là. Bon, bah, tant pis, j'ai oublié de me taper une bleue. Je vais me taper une bleue, c'est pas grave. Zouf, voilà. Ah bah zut, il y en avait une là, finalement. Ouais. Il y en avait une là, ouais. Hop. Du coup, on peut partir par là. Je veux juste aller... de l'autre côté, moi. Yeah. Safe tide, voilà. Je sais que je l'ai fait au mauvais endroit, mais quand même... Tiens, hop, à dégager, monsieur. Allez, carrément. Oh, mais, attendez. Voilà. C'est quand même extrêmement compliqué, là, j'avoue. Non, mais non, 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 non. Voilà, là, fais-la tomber, fais-la... Barque. 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 Et voilà. Comment on peut enfin passer là? Voilà, hein, il est pas trop tôt. C'est quand même, je commençais à m'impatienter, moi et vous aussi d'ailleurs. Au bout de 12 minutes. Et enfin, nous passons ici. Nous faisons la safe state. Et voilà. Donc, oui, c'est vrai. Le. Faut que je ris. Mais avant, faut que je récupère quand même quelque chose de très important. Hop, l'herbe curate. Je viens de mourir bêtement, vous l'aurez remarqué. Hein, bon. Hey, est-ce que je peux utiliser l'ombrelle ici quand même hein? Non. 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 Ah, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Bam. C'est peut-être forcément puisque j'ai récupéré une vie. Et que j'ai ouvert une coffre. Oui, j'ai ouvert une coffre. Oula! Dégage! Oh la vache! Comment elle prend cher? Boum! 500 sur 500! Recept tête, forcément. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ouais. Oula! Champignon! Curatif reçu. Ouf. Je regarde hein, au cas où que. Mais arrête. Olé. Salut, guy. Ah, chiotte. Je chiale. Je chiole. Champignon curatif. Je fais une save tête puisque j'ai récupéré un deuxième champignon curatif. Aïe. J'ai bien fait de faire une sept-tête parce que putain, aïe aïe aïe. Ta gueule. Voilà ce que je lui dirais, moi, mais ta gueule. Oh, bah finalement, vous voyez, pas besoin de partir par là. Donc, on peut du coup. Non, mais je veux rire, moi. Je suis content. Je suis happy. Je suis très happy. Ah
toi. Oh la vache, c'est très très chaud. Oula. Troisième champignon cumulatif. Save tête. Ah, mais il y a encore un coffre par là. Dégage. Ouais, une aile. Une aile charitable. Le save tête. Attention. Oh, mais c'est des grandes malades. Ah, ah oui. Oui, champignon mystérieux. Ah oui, yes. Ah, je suis très content. Je suis hâte. Oui, ça c'est hâte. Où est-ce que je devais aller, au fait? Ah oui. Je me souviens. Bon, faut surtout que j'arrive jusque là-bas, hein, ce qui n'est quand même pas gagné. Bon, je sais que... Bon, je vous le dis, hein, voilà, bon, je fais des vidéos alors que... voilà, j'en suis un peu loin. Ouais, je crois que je suis arrivé à la quatrième vidéo ou la cinquième, celui... Ouais, donc je prends un peu d'avance. Pourquoi? Parce que j'ai un stage à faire et que... ce stage est très important, il va durer un moment et donc en plus en ce moment j'ai plein de révisions à faire pour mon DUT, donc forcément beaucoup de choses, c'est pour ça que je prends un peu d'avance pour justement pallier à ce qui va se passer plus tard forcément, parce que j'aurai peut-être plus de temps, donc c'est au cas où forcément. Il rit et il se fait pousser en plus. Non ! Toute ma détresse. J'ai extériorisé toute ma détresse et arrête de rire. Ah 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 ah. Et la porte s'ouvre. Je pensais que tu ne me retrouverais jamais ici. Il faudrait que je me cache dans un meilleur endroit. Et j'ai récupéré autre chose d'ailleurs, mais je me souviens, j'ai pas vu quoi. Ok, mais t'es bien caché, putain. Champignon mystérieux. On voit le plus. Donc j'ai récupéré autre chose alors. J'ai dû récupérer autre chose, mais je ne sais pas quoi. Ah, une aile champ... Un aile... merde. Ah, shot, putain, je suis équipé de l'ombrelle plus. Merde. Save tête, bien sûr. Ah, mais oui, mais... Oh. Ah, bah oui, finalement, c'est encore mieux, puisqu'il va me renvoyer tout là-bas au bout. Hop, voilà. Bonjour Jean-Louis. Voilà, mais vous voyez également que ça lag beaucoup. Lag beaucoup, forcément, il vient de... Hop, voilà, je retire mon ombrelle, parce que je ne l'avais pas. Il fallait que je pleure aussi, mais je sais plus où... Que je réfléchisse... Ça va me revenir. Et d'un moment, il va me faire pleurer. Est-ce que je l'ai encore? Oui! Je suis content. Bien. Et je chiale. Je chiale. Je chiale. Ah, c'est ce que je voulais. Je voulais chialer. Je sais plus pourquoi. Non, pas là. Voilà. Nous reviendrons par ici. Attendez, parce qu'il fallait que je chiale, mais je sais plus du tout pour où, et ça me dérange. Bon, ça va me revenir, surtout que c'était à cet endroit-là, je crois, non? Ou peut-être après, je ne sais... Ah oui, oui, ça y est, je me souviens. Oui, je m'assouviens. Hop, on va donc grimper par là. Et on grimpe, on tombe. Et oui, vous voyez qu'il, vous remarquerez qu'il va très vite quand même, hein, pour grimper, oui, c'est... Il grimpe déjà plus vite que Lara Croft, hein. Quand même. Ce qui, vous me direz, est très surprenant. Et bon, évidemment, Lara Croft, il faut déjà qu'elle supporte le poids de ses... Excusez-moi. C'est une petite blague, oh, ça va. Une petite blague pour de gros... Non, hein, ouais. On va... Je vais faire une liste, hein, avec tout ce que je dois éviter. En fait, faut que je reparle là-dedans. Parce que je parle, je dis des conneries, et finalement, je me dis ce que je veux faire.
Donc voilà, en fait, oui, il faut. Je vais faire une liste avec sujet à ne pas aborder. Et on va mettre le sujet Lara Croft. Oui, Lara Croft est un sujet. Pourquoi ? Parce que voilà, je dis souvent de choses assez bizarres et que forcément, hein. Voilà. Bah dégueulasse. On en est à 20 minutes. Ah oui, Six. Ils viennent te faire quoi là ? Tu dois trouver un moyen de revivre le truc de charité. Voyons, qu'est-ce que c'était ? On dirait que même le mont orageux a ensorcelé les vilains cochons. Il doit y avoir un cinquième vilain cochon pas loin d'ici. Elle se trouve. Tu le sais déjà, non ? Ok. À l'intérieur du coffre à trésor millénaire se trouve un truc de fléau caché. Et il n'y avait absolument plus un bidule là. Il n'y avait pas un bleu non plus. Il semblait qu'il y avait un coffre bleu dans le coin. Salut! Ne pleure pas maintenant! D'accord, je te laisserai passer, mais arrête de pleurer! Toboggan de feuille! J'ai réussi! Yes! Je peux aller par là, forcément. J'ai récupéré une boule! 3 boules perdues puis retrouvées! Terminé! Je sais pas pourquoi, je sais pas quoi que ça sert, mais c'est pas grave. D'ailleurs, je sais pas à quoi ça sert, mais vous pouvez le dire à quoi ça sert, hein, y a pas de souci. Donc bon, j'ai fait une sèche-tête avant, forcément. Donc qu'est-ce qui va m'arriver maintenant ? C'est un nouveau endroit. Waouh. C'est quoi cette merde ? Ah, poudre bleue reçue ! Qu'est-ce que cette poudre bleue ? Je ne sais pas ce que c'est. Et ça me fait arriver. Oh, youpi. Putain, mais... ici... Pourquoi faut-il que tu me rendes? Non! Fasse revenir ici! Je veux rire! Excusez-moi pour ce rire totalement ridicule. Et cloche millénaire reçue! Ah oui! Oui! J'ai bien envie d'utiliser d'ailleurs. Mais bon. Je ne suis point sûr non plus de. Si je l'utilise quand même. Hop, toi tu dégages. Je me retape un champignon de Paris. Safe tate. Ben on va essayer. Hein. Hop, cloche millénaire. Ça me refait reviendre où ? Hey, salut le vieux ! Salut le vioc ! Fais attention à toi, tu rencontreras là-haut certains de mes amis qui pourront te venir en aide. Mais méfie-toi du vieil homme de 10 000 ans. Il n'est pas très méchant. Bonne chance, ok. C'est cool. Bon, oui, c'est vrai, je sais, j'ai compris la première fois. Mon gars. Merde de rire! Bon. Oui, je me souviens. Mais arrête, oh! T'as failli me faire perdre un point de vie là, mon grand, oh! Il a failli me faire perdre un point de vie. Salut, à votre service! J'ai laissé tomber, mais peut-être trouveras-tu le vilain cochon, ok. Salut! Gros, c'est un endroit brûlant. Vert est le manoir près du lac. Attendez, parce que c'est très important ce qu'elle me dit en fait. C'est les endroits des sacs à vilains cochons. Rouge est un miracle à venir. Les devinettes terminées. Attendez. Parce que bon, en fait, il m'a dit des sacs à vilains cochons. Il m'a parlé de bleu, de rouge. Attendez, parce que j'ai deux sacs à vilains cochons en fait. Le bleu et le orange. Est-ce qu'il va m'en parler ? Oui, t'inquiète, j'en vois pas de ça. Rose est un endroit brûlant. En fait, bon, il me parle juste de machin que je m'en fous, quoi, parce que je les ai pas encore. Salut, Tambi, tu débordes d'énergie, sois prudent. Ok. Penses-tu pouvoir trouver le vilain cochon qui a sauté le sort sur le village? Oui, bien sûr. Ben, c'est toi, le vin est revenu à la tienne. Ah oui, lui, il veut du fromage. Salut.
On raconte que l'un des machins, des vieillards, est empoisonné. Hein? Oh. Ah, emprisonné dans le manoir, je suis con, quoi. Tu veux partir maintenant, capture des Bonsuji pour nous. Tu es vraiment très fort! Sérieux! Je ne le pensais pas, mon grand, tu vois. Arriva, arriva! À propos, la personne qui est dans l'avenir est revenue! Je réfléchis, il faut des champignons curatifs pour stopper l'effet des champignons, il a l'air moyen, n'est-ce pas? Donc si par hasard je mange d'autres champignons, comme les champignons suspects, et que je deviens paranoïaque, comment je peux guérir? Je me souviens qu'il y a plein de mauvais champignons par ici, il devrait pourtant y en avoir des bons. Bon, ah oui, du coup je peux récupérer le champignon ordinaire, non? J'avais pas le champignon... Ah, champignon ordinaire, voilà. Hop, yes, cool. Hey, champignon ordinaire, utilisé. Je l'ai encore, hein, et en jouant dans l'emprise, en plus, je peux réutiliser ça, je suis vraiment content. Plus con que tant, mais c'est pas grave. Alors, hop. Attention, ne pas se faire... Oh oui. Oui, le cochon. Le sale cochon. Il s'est totalement fait avoir. Dit celui qui vient de se faire lui-même avoir. C'est un concept. Deux fois. Bon, je veux passer par au-dessus, non? J'ai moyen de passer par au-dessus. Attendez, bon, parce qu'il y a moyen de passer par au-dessus. Je suis persuadé qu'il y a moyen de passer par au-dessus. S'il y a un truc plus haut, normalement, je pense qu'il y a moyen. Hein. Wow, attendez, mais il y a quelque chose par en haut, là. Je refais la sauvegarde là, forcément. Enfin, ma safe yet, plutôt. Hein. Bon, 27 minutes, oui, c'est peut-être temps que je vous lâche. J'ai bien dit lâche. Hop. Voilà, attention, parce que ça saute du cochon. Ah oui, je comprends, je sais comment faire. Mais... je ne sais absolument plus. Je sais comment faire, mais je ne sais absolument plus où retrouver ce... Comme on dit, je vous fais un petit teaser, le grappin. Et oui, où est ce grappin? Où est-il? Je répète. Où est-il? Non, il faut encore que je fasse un... Voir! Voilà, on est content. Hop, on l'a eu. Ah, attendez, parce que là-bas il y a un truc. Eh, forcément, je peux pas encore. Bah, Non, mais alors là, franchement, c'est un gros scandale ce qui vient de se passer là. C'est un gros scandale. Non. Ah, oui, et c'est là que j'ai besoin de l'ombrelle en fait. Oui, c'est là que j'ai besoin de l'ombrelle. Umbrella! Umbrella! Oula! Oula! Est-ce que je peux passer par là-bas? Putain, si je passe par derrière, franchement, c'est excellent. Bon, excusez-moi de ces... Des mots que je peux employer, hein. Hop, on peut toujours grimper, voilà. Eh, hey, hey. Holla Marie, salut le malin. Un instant, là voilà. Tu as ta possession de la clé millénaire. Je vois ainsi, le vieil homme a finalement trouvé une personne digne de prendre la clé. Eh ben, je crois que ma tâche est terminée. Je n'ai aucune idée du contenu de ce coffre, mais prends-en bien soin quand même. Oh, oh, il part à cloche-pied. Un coffre à trésor. Terminé. Il m'a rien donné en fait ce con. Ah non, mais il m'a rien donné ce con. Oh, il m'a rien donné. Safe tête, parce que c'est... Plus important. Ah, le coffre ici en fait. Oula. Grappin. D'où je débarque. Ah oui, ok, d'en haut, d'accord. Ok, c'est cool. Bon, je refais une sept tête du coup, forcément. Et bon, maintenant que j'ai le grappin, ça va aller un peu mieux, hein.
Et on va se quitter là en plus, hein, hop. Je vous le donne en 30 000. On va se quitter là. Pourquoi? Parce que c'est le moment de se quitter, déjà de 1. Et de 2, parce que... hop, on va se quitter justement ici. Très important. Je vais prendre le grappin, comme ça, ça sera fait. Et je vais faire mieux, vous voyez, je vais encore faire beaucoup mieux. Non! C'est pas me planter que je voulais faire, hein. C'était pas me planter que je voulais faire. C'était me suspendre pour vous laisser là. En suspension, en suspens. Et oui, oui, oui. Il y avait de l'idée, hein, mais le problème c'est que ça a foiré. C'est ça le truc. Grappin, on accélère, on save tight. Et on fail encore une fois. Bon. Raté, mais il y a l'idée. Ah, je suis limite, limite. Je suis limite, Vincent. Non, mais dégage, toi aussi, là. Oh, mais allez vous faire fou. Maître, ce que vous voulez, quoi. Vais-je arriver à faire ce que je veux? Je vais bien y arriver à un moment, non? C'est... bon, là, je dis rien, hein. Mais c'est du pile pas de chance, là. Ah! Ou alors, serait-ce à cet endroit-là? Ouais! Oh! Sale bête! Mais j'y crois pas! Ouais, allez. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je n'en peux plus. Regarde! Et faut encore que je le fasse avoir! C'est pas possible ça! Je regarde. Eh, mais quand même quoi, c'est. Je me demande si c'est une blague. Je me demande si c'est une blague là, ce qui se passe vraiment, parce que là, oui, c'est. Ok, donc je peux pas aller par en haut, d'accord, je vais pas passer par ici. Ok. Bah, ok. Ok, donc je peux pas aller plus loin, forcément. Bon, écoutez, on va se laisser là, hein, parce que j'en peux plus, voilà. Donc je vous remercie à tous de m'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et bye bye. Espèce de bip.